As European Union, we need to be ready to act as required to protect our citizens and to contribute to the global stability. And for that, we need to exercise together. This will help us to be better prepared to play a role as a defense actor and a global security provider. We decided to build a rapid European Union deployment capacity as a robust and scalable military instrument to provide a rapid response outside the European Union. This will be ready in 2025. And today we are testing in real conditions the deployment of forces outside the European Union. Les commandes de barre et de propulsion sont au pupitre. Neuf nations qui participent à cette édition 2023, qui est la première où vous avez véritablement des unités qui sont déployées et pas juste un exercice qui est fait de façon simulée, synthétique, dans des états-majors. Évidemment, on se retrouve face à des difficultés, des challenges pour se parler entre soi, pour se coordonner, pour assurer la sécurité de tous ces moyens militaires mis en œuvre, que ce soit sur l'eau, à terre ou dans le ciel. C'est des alliés qui travaillent souvent avec nous sur les missions OTAN. Donc le transfert de l'un à l'autre est assez facile. Les moyens de communication sont déjà ouverts. On a déjà des relations qui sont claires avec nos partenaires. Donc il n'y a pas trop de différence par rapport à ce qui a pu être mené maintenant, enfin jusqu'à maintenant, sur le théâtre OTAN. Take place during the second.